Le point suivant, c'est toujours David qui rapporte désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs. Alors, déjà, je remercie toutes les communes qui ont pu désigner. On avait demandé à toutes les communes de désigner un membre et un suppléant. Beaucoup de communes ont répondu qu'on ne veut pas l'intégralité. Ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on demande aux communes de présenter des candidats. Que compte vu qu'on est 95 communes, on ne peut en retenir que 20 titulaires et 20 suppléants. Donc, au vu des résultats et des retours qu'on a eu des communes, on a essayé d'avoir une répartition paritaire, équitable et par territoire. Donc, on a retenu par territoire, en général, la parité aussi bien dans les titulaires que les suppléants. Donc, il y a une liste qui est ressortie qu'on va soumettre au service financier et qui va, elle aussi, après d'ailleurs, faire son choix. Sur les 20 et 20 présentés, 10 et 10 sont en retenue. C'est pareil dans vos communes quand vous faites ce genre d'exercice. Donc, je ne sais pas si on a la liste qui va s'afficher ou si je vous la lis entièrement pour savoir qui a été retenu suite au un petit peu au tirage au sort qu'on a fait pour préparer ça. Donc, il y a Cole et Philippe sur Avranches, Bunet Valérie sur Chavois, Réunion Guillaume sur Ducel et Chéry, Alain Josquin sur Front, Roussel Alain sur Juvigny-Terte, Cosse Marcel sur le Pisselan, Amar Jean-Vital sur Saint-Georges-de-Livois, Ozen Josquin sur Saint-Michel-de-Montjoie, Le Lièvre Stéphane sur Parenton, Miclard Nicole sur Le Frêne-Poret, Sauvé Claudine sur Saint-Cyr-du-Bailleul, Passé Jean sur Saint-Georges-de-Roualais, Jardin Jean-Claude sur Bué, Anne-Marie-Claude sur Grand-Parigny, Guillotin Annie sur Saint-Hilaire-de-Racoué, Le Pelletier-Patrick sur Savigny-Vieux, Baudin Alain sur Rosset-la-Plaine, Guérin Anthony sur Beauvoir, Gardin Stéphane sur Ville-sur-Mer, Maurice Duhamel sur Montjoie-Saint-Martin. Donc ça serait la proposition pour les membres titulaires. Pour les membres suppléants, on aurait Catherine Françoise pour Avranches, Mortel Laurent sur Trajet, Le Houbé Sylvie sur Vol-Saint-Père, Graal Stéphane sur Saint-Quentin sur Le Gaume, Richard Jacqueline sur Juvigny-Terte, Renaud Séverine sur le Petit Célan, Morel Romain sur Saint-Laurent-de-Cuve, Signe Audrey sur Saint-Michel-de-Montjoie, Le Loger Roger sur Beauficelle, Kosicki Jean-Pierre sur Point, Goglo Vibet Brigitte sur Mortain-Bocage, Jardin Audit sur Sourdeval, Rochefort Jean-Luc sur Grand-Parigny, Ralu Philippe sur Saint-Hilaire, Le Roi Jérôme sur Saint-Hilaire, Séné Bruno sur Saint-Hilaire, Haute David sur Beauvoir, Muriel Michel sur Ville-sur-Mer, Barbotin Robert sur Sassé et Éric Thérèse sur Tanis. Pour les suppléants. Merci David. Bon. Pas de subjectivité dans le choix. Vous aviez ta salle. On va t'apporter un micro, que voici. Pour la commune, j'aimerais autant que ce soit marqué Julie et Valérie, si c'était possible. Si vous plaît. Parce que si je dis quelqu'un de manière un peu plus historique et Julie Leterre. Tout à fait, on va corriger. De toute façon, c'est officiel, c'est le nom officiel de la commune. Donc on s'y tient, on va corriger. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas, donc je propose de voter. Ah pardon, tu pourras donner une idée. Bonsoir. Juste, exactement la même remarque que vous avez fait, c'est dragé. Vraiment dragé. Merci. Bien d'accord. Ah ouais, c'est une question. Attention, donc, c'est moi qui ai encore des questions. C'est bon, pas d'autres interventions. On passe au vote.